Je vous ai donné ma définition du social selling. Je vous la remets ici à l'écran parce qu'elle est très importante pour moi, cette définition. Premièrement, ce n'est pas un outil, le social selling. Ce n'est pas une méthode de vente, ce n'est pas une méthode de recrutement ou un CV ou je ne sais pas quoi. C'est l'art et la manière. Mais l'art et la manière de quoi ? L'art et la manière d'utiliser. Et non pas de vendre sur, d'ailleurs. On ne se vend pas directement, on ne vend pas directement, on ne fait pas des transactions directement sur un réseau social tel que LinkedIn. Mais on va utiliser ce réseau social dans tout le parcours, entre guillemets, d'achat, de recrutement en l'occurrence, ou pour se faire recruter. Voilà, dans tout le parcours. On va utiliser ce réseau social. Et le mot réseau est important, et notamment par rapport à un autre mot qui est beaucoup utilisé, qui est média. Vous savez, on parle de médias sociaux, dit Facebook, c'est un média social, LinkedIn, ça fait partie des médias sociaux. Ben moi, j'aime pas tellement ce mot pour parler des réseaux sociaux que j'utilise, parce que c'est justement tout l'effet réseau qui est important dans la manière de bien utiliser LinkedIn en mode social selling. Et autre chose qui est importante ici, c'est l'objectif. Il y a beaucoup de gens qui sont présents sur les réseaux sociaux et notamment beaucoup de jeunes qui cherchent à se faire recruter, à rentrer en apprentissage, par exemple, en alternance, contrat de professionnalisation. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à un moment donné au chômage ou qui tout d'un coup se réveillent en se disant « Tiens, il faudrait peut-être que j'utilise LinkedIn. » Et bien souvent, à ce moment-là, c'est un peu tard parce qu'avant, ils n'ont rien fait. On va voir que c'est un peu dommage d'arriver comme un cheveu sur la soupe sur un réseau social tel que LinkedIn et de penser que tout va arriver. Voilà. Mais l'objectif, il faut l'avoir en tête quand on utilise un réseau comme celui-ci. Quel est notre objectif? Et je vais justement vous montrer la démarche que moi j'utilise pour bien me vendre et vendre d'ailleurs sur les réseaux sociaux.